は。Cette course affole les compteurs. Plus de 5 millions de dollars d'allocation et environ 140 000 personnes attendues dans les tribunes. La Japan Cup, qui disputera sa 34e édition le dimanche 30 novembre à Tokyo, attire pourtant moins d'étrangers ces derniers temps. La concurrence locale étant de plus en plus féroce, menée en 2014 par Gentil Donna, la trêve du Japon qui a réussi le premier doublé l'an dernier et va tenter une passe de 3 historique. Pour remporter une coupe restée nippone depuis le succès de l'anglais Alcacid en 2005, seuls 3 étrangers relèvent le défi. L'irlandais Trading Laser, gagnant du Derby d'Irlande 2013, le canadien Up With The Birds, 4e de l'Arlington Million et l'allemand Ivanoé. Pas de français ? En fait, si. À défaut de chevaux entraînés dans l'Hexagone, un entraîneur français installé en Allemagne, Jean-Pierre Carvalho, qui découvre le Japon avec son pensionnaire Ivanoé, le meilleur 4 ans outre-Rhin, sacré dans le Grand Prix de Baden-Baden, en battant le grand favori, Sizumu. C'est juste une confirmation d'un cheval qui est très bon. J'ai été très honoré de pouvoir accompagner un cheval comme celui-là pour le Grand Prix de Baden-Baden. Je pense que nous, on prépare les chevaux, on les accompagne, on essaie de les maintenir en forme et en bonne santé. Et le jour des courses, c'est le jockey et le cheval qui sont les stars. D'un naturel humble, Jean-Pierre Carvalho, installé entraîneur depuis 2009, a été appelé fin 2013 à la tête de la très prestigieuse écurie du baron von Ullmann, Gestüt Schlenderan, celle qui a créé Moonsoon. Il a fait toute sa vie professionnelle en Allemagne, tout d'abord en tant que jockey, ayant atteint le top 10 à plus de 30 ans, après un début de carrière si difficile en France qu'il a dû la quitter. Le monde est grand. Hein, des courses, il y en a de partout. Si on n'arrive pas à Maison Lafitte ou à Chantilly à faire sa place, il faut essayer de voir ailleurs. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé de l'autre côté du Rhin, en Autriche. Monsieur Gérard Martin qui m'avait demandé à l'époque de venir travailler pour lui. Et bon, comme je n'ai jamais été très précoce, il a fallu beaucoup de temps pour que j'apprenne mon métier. Mais en forgeant, on devient forgeron. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris comment il fallait faire pour monter en course. J'ai arrivé à faire avec un peu de travail à compenser un peu le manque de talent et puis voilà, on s'en est sorti comme ça. Si le cheval a effacé son échec dans l'Arc de Triomphe par une facile victoire dans un groupe 1, le Grand Prix de Munich, le 1er novembre, son aptitude au terrain reste un gros point d'interrogation. Certes, il a gagné 4 courses en bon terrain chez lui, mais il reste nettement meilleur en terrain souple. Et les pistes, au Japon, sont d'habitude très légères. Jean-Pierre Carvalho et Philippe Minaric, le jockey, qui n'a jamais monté au Japon, veulent en avoir le cœur net. So, track is good? Alors, la piste est bonne? Ah oui, elle est super et puis très belle. D'accord, pas assez souple qu'on voudrait, mais pas si dur que tout le monde nous disait. I'm very happy, very confident. Donc on est très content. Je suis même confiant. How do you feel your foot? Et tes pieds, ça va? Froid, très très froid. Mais c'est pas un problème. Pour Ivanoé, on ferait n'importe quoi. But I know we do everything. Okay. Thank you. Thank you, Philippe.